rappeurs congolais. Il faudra savoir qu'au Zaïre, il y a le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 12 millions de morts là-bas. Donc les rappeurs congolais, au lieu c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein. Ouais, au lieu de faire des trappes, danser toute la journée, allez, regroupez-vous, comme Michael Jackson il l'avait fait là, Hill the Wall, je sais pas quoi là. Regroupez-vous, genre tu mets Maître Gims, Youssoupha, Cozy, Cozy et les grands chanteurs, faites une grande musique pour représenter votre pays, pour conscientiser le reste du monde de ce qui se passe dans votre pays, pour faire avancer votre pays. Ça sert à rien de faire des mots en lingala, faire semblant genre que vous êtes fier d'être zaïrois, mais à la fin de la journée, vous faites rien. C'est ce que j'ai dit. En fait, c'est arrêter de danser un petit peu et réunissez-vous dans une vraie cause. Réunissez-vous, faites une grande musique qui parle au monde entier. Et d'ailleurs, ça va parler au monde entier. Tu imagines une musique, il y a Maître Gims, Youssoupha, Gradure, Cozy, Black Brut, comment il s'appelle l'autre encore, Espi, Escobar Maxon, Espi, je ne sais pas les autres, comment il s'appelle frère, tu vois. Despo, je crois. Despo, tu vois ce que je veux dire. Plus les chanteurs comme Papa Wemba, Poison, Kofi Olomide, Kofi Olomide, Poison, JP, Werason, tous ces mecs-là, ils se réunissent, ils font un grand son pour le Congo, qui passe dans toutes les chaînes, qui conscientise les gens. Vous parlez des viols, vous parlez des massacres, vous parlez de tout, vous récoltez des fonds, vous aidez votre pays. Ça, c'est plus important que de parler de Massassi, de Munduki, c'est du cinéma, ça. On a dépassé la trentaine, frère, on a plus ce temps-là. Il faut laisser ça aux petits. Aujourd'hui, quand tu es Congolais, tu dois travailler pour ton pays. C'est tout simplement, parce que ce qui se passe là-bas, c'est super grave. Les amis qui prient, tel défilé, une nuit, Paris est vraiment pas. Je limite, j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que si jamais c'est ce conflit-là et ce drame-là, il n'est pas relayé de fou, etc. C'est parce qu'en fait, en vrai, déjà, il y a des intérêts politiques qui restent en place dans la région. C'est au Congo, au Rwanda et dans les pays avoisinants qui sont encore en jeu. Parce que mine de rien, c'est un peu la même histoire qui continue encore. Tout n'est pas démêlé, etc. Beaucoup de gens sont en cause par rapport à ce qui est en train de passer. Donc en fait, en vrai, je ne vais pas tomber dans la théorie du complot à 2,50 balles, mais... Ça a du mal à devenir une grande cause explicite et sur des grands haut-parleurs. Pourtant, on en parle. Moi, vous savez quoi? Souvent, on a reproché, et à juste titre, notamment à l'époque, le relais occidental de ne pas parler de ce conflit, et c'est vrai. On a reproché aux artistes ou aux personnalités congolaises ou africaines, ou aux artistes en général, de ne pas parler de ça. C'est vrai. Moi, vous savez, là où c'est le plus bizarre, c'est que moi, je vais souvent à Kinshasa. Et c'est peut-être à Kinshasa dont on en parle le moins. C'est-à-dire que c'est bizarre. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, ouais, mais même les Congolais eux-mêmes parlent pas de ça. Alors, le pays a déjà des problèmes, les gens ont déjà des problèmes. Ils ont pas l'information, surtout. Exactement. L'information leur parvient pas très bien. Il faut aussi le reconnaître. Et c'est un immense pays. Donc, on est, malheureusement, je vais encore faire un peu de cynisme, on est un peu dans ce rapport qui est... les morts et les kilomètres, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme quelqu'un qui habite à Paris, ben finalement, les morts qu'il peut y avoir dans l'Est de la Russie, ils sont réels, mais c'est vague. Par rapport à ma réalité quotidienne, en vrai, est-ce que je vais manger ce soir ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va m'aider, etc. Donc, il y a on minimise un truc qui est énormément grave, tu vois ce que je veux dire. On est vraiment dans des extrêmes, etc. C'est quelque chose que moi, à mon niveau, dont je commence à parler déjà à l'époque, dans des chansons comme À Force de le Dire. J'en parle dans Blackout sur le dernier album. J'essaie d'en parler dans certaines interviews, etc. Et tout ça, là. Mais pourtant, la résonance... Elle reste bof. Je t'ai dit, en plus, on est dans un coin du monde, on n'est même pas dans la capitale. Parce que si jamais ça se passait dans la capitale,
je pense qu'il y aura encore un peu plus de résonance et tout ça. Là, ça se passe dans un coin enfui, tout est relatif, mais enfui là-bas, dans l'Est, etc. Et du coup, on manque vraiment beaucoup d'informations. Je devais aller à Goma pour justement une manifestation culturelle il y a quelques mois. Ça ne s'est malheureusement pas fait. C'est la deuxième fois que ça ne se fait pas. Et moi, en fait, en vrai, là, je parle de mon expérience personnelle. Je suis vraiment curieux de pouvoir un jour aller sur place pour me rendre compte de pourquoi, pour pouvoir mieux répondre à ta question. C'est-à-dire, vu d'ici, j'ai l'impression de pas, pourtant je suis congolais, j'ai l'impression de pas toujours comprendre les enjeux qui se jouent et l'omerta qui est autour de ça, et pourtant la situation est grave et se continue dans cette gravité. Après on se dit, ben, au Congo, on va en savoir plus, mais même vu du Congo, Kinshasa, là où j'ai grandi, je vais pas mentir, j'ai pas l'impression que c'est fiable vraiment ce qu'on entend et la manière dont c'est considéré, perçu, etc. C'est... voilà quoi. Mais comme je suis curieux et que c'est quelque chose qui quand même peut faire froid dans le dos, pour mon accomplissement à moi même, j'aimerais bien avoir l'occasion d'y aller. Et c'est compliqué, mais c'est faisable. Ça reste largement faisable. La preuve, deux fois, ça a déjà failli se faire. Mais je désespère pas à ce niveau-là. Ça va pouvoir se faire. Ça va pouvoir se faire. Et j'aurai peut-être un peu plus de réponses. Les réponses définitives, je ne pense pas. Mais j'aurai peut-être encore plus de réponses à tes questions. En tout cas, moi, quand j'ai l'occasion d'en parler, j'essaie d'en parler pour faire encore, pour refaire court dans ma réponse. J'ai l'impression que les enjeux, il y a encore des gens en place qui n'ont pas intérêt à ce que ça... En République démocratique du Congo, Global Witness s'interroge sur les conditions d'un contrat pétrolier. Selon cette ONG, une entreprise appelée Nessergy, aurait acheté en 2006 les droits d'exploitation sur un bloc pour 500 000 dollars. Et quelques années plus tard, elle aurait rétrocédé ces droits pour environ 150 millions de dollars, donc 300 fois plus. Et ce qui inquiète encore plus cette ONG, c'est que cette société, Nessergy, serait dirigée par l'un des amis du président Kabila, Sonia Rollet. Global Witness a étudié de près les contrats dont a bénéficié Dan Gertler. C'est du moins ce qu'affirme l'ONG et avec l'aide de l'Africa Progress Panel, présidé par Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Sur 5 contrats miniers passés avec cet homme d'affaires entre 2010 et 2012, selon Global Witness, le manque à gagner pour l'État congolais serait de plus d'1,5 milliard de dollars, soit plus de 2 fois la part du budget alloué chaque année pour l'éducation et la santé. Ce qui l'intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, c'est un contrat de partage de production sur un bloc pétrolier. Le profit de la société Nessergy lié à Dan Gertler serait très important selon l'ONG. Payé 500 000 en 2006, il serait revendu à plus de 150 millions de dollars à l'État congolais, un chiffre avancé par Reuters et repris par Global Witness. Pour Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, ces affirmations sont des supputations sans fondement pour un contrat qui n'est pas encore signé. Selon Nessergy, en effet, cette compensation, dont le montant reste secret et serait surévalué par la presse, ne sera versée que quand le contrat de production sera définitivement signé par les États congolais et angolais qui partagent les eaux où se trouve ce bloc. Nessergy précise qu'en 2006, 2 autres sociétés avaient payé le même montant pour des blocs similaires. Lambert Mende assure quant à lui que Dan Gertler est un opérateur comme un autre au Congo, qu'il est soumis aux mêmes procédures d'appel d'offres que les autres. Sonia. Dan Gertler is a 38-year-old Israeli billionaire who's one of the biggest investors here in the Democratic Republic of Congo. Dan Gertler first came here in 1997 at the height of a war that killed millions and millions of people. And he came to invest in diamonds. And since then, he's expanded his business empire to include copper and cobalt. Congo is one of the richest countries in the world in terms of natural resources. And Dan Gertler is the biggest player here. He has his fingers in almost every single piece of the pie in Congo. Dan
Dan Gertler basically started off as a diamond trader. He's the grandson of the founder of Israel's Diamond Exchange. He comes from a very wealthy family. He flew around the world trading rough diamonds and quickly made a fortune. He claims that by the age of 23, he had a turnover of $2 billion a year. He invested that money mainly in Congo, and by buying up different mines and by either developing them himself or selling them on to other partners. And usually it's been the latter. The allegation has been that other companies are paying to develop mines that he owns. So he's kind of getting a free ride. This is something he denies. Dan Gertler is incredibly private. You never see him out in Congo or in Tel Aviv. He spends a lot of time with his family. He's very religious. He loves business. He gets up at 4 o'clock in the morning to study the Bible, and then it's business all day. He's always flying back and forth between Congo and Tel Aviv. He doesn't have hobbies. He is constantly checking his BlackBerry. He's constantly involved in you know, wheeling and dealing. In Israel, he's very big into charity. He supports a lot of organizations, hospitals, orphanages, a lot of religious institutions. He prays 3 times a day. He's strictly kosher. He spends 5 days in the Congo every week, and then he makes sure to be back Friday afternoon for the Sabbath. He's a personal friend of President Joseph Kabila. The controversy surrounding him is whether this friendship to President Kabila has resulted in him getting sweetheart deals from the government. And he now is in major partnerships with global giants like Glencore, like Eurasian Natural Resources Corp, you know, big FTSE 100 listed companies. He rejects all allegations regarding corruption. He says that he's taken huge risk in a country that's very unpredictable. A lot of companies won't even come to Congo because they don't know what's going to happen, whether their title is secure. His comeback is, well, show me the proof that I have actually ever engaged in corruption. And, you know, there is no black on white evidence to show that he has bribed anyone. There's a group called Global Witness that focuses on Africa and you know, kind of the vulture capitalism, where people from outside you know, make a lot of money out of the mineral wealth and don't give back to the country. The Congo is one of the poorest countries in the world. People work in these mines for a pittance, and he's making billions. So that is the rap against him. The bottom line, he says, if somebody doesn't want to do business with me, that's fine. I can find other partners.